Salut à tous, c'est la salle. Bienvenue dans une course polymorphe avec une méga rampe. Attention les gars, à 90 degrés, ça veut dire que 90, Eden, c'est pas 60, c'est pas 70. C'est arrondi quoi. C'est 90 quoi, c'est au-dessus, c'est level up. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'Eden ici, est-ce que c'est un angle à 90 degrés? Angle à 90 degrés? Ouais, c'est comment? C'est parallèle en fait, quand c'est parallèle. Quand deux choses sont parallèles, ça crée un angle. Hein? C'est pas ça? Oh, comment il dit non, c'est magnifique. Non, si, c'est ça normalement. Non, je sais, c'est quoi que tu m'as dit, l'angle quoi? Un angle à 90 degrés. Un angle à 90 degrés, c'est simple, c'est franchement. Mais enfin, j'ai fait ça pour Google, bien évidemment. Non, même pas. Il a pas besoin, hein, Eden. T'as vu la salle, il y a de l'inspiration en l'air avec la Pas du tout besoin. Bah ouais, mais c'est bien ça. Mais ouais, donc ouais, bah un angle à. C'est, en fait, tu vois, quand tu prends ton équerre comme ça, Nine. Ouais. Si par exemple, t'as un trait qui est comme ça, vertical et l'autre horizontal, c'est le petit carré là, bizarre là. Quand tu fais le truc. Et ça s'appelle comment? Au lieu de parallèle, c'est quoi l'autre mot? Bah c'est un angle. Comment il ça? Il y a un truc qui définit. Comment ça? Bah comment la salle, on est d'accord. Tu lui as dit quoi? Attends, j'ai pas écouté. Redis voir ce que dit, tu as dit. C'est pas parallèle, c'est l'autre. Ah bah quoi pour l'angle à 90 degrés? Ouais. C'est un angle droit. Ah. C'est un angle droit quoi. Parce qu'il a dit que deux droites qui formaient un angle à 90 degrés, elles étaient parallèles, c'est ça? Ouais. Ah ok, d'accord. Ah bah pourquoi pas. Mais si. C'est un. Mais non, mais c'est un. Non mais l'angle à 90 degrés, c'est un angle droit. L'angle à 90 degrés, c'est oui, c'est un angle droit, oui. Oui, voilà. Bah, c'est parce qu'une ligne commence à me parler angle. Oui, bah, là. Après, est-ce que toi, tu sais ce que c'est, par exemple, Adine? Non, j'ai bloqué mon l'angle véhicule, les gars. Obtus. Obtus, pas obtus. Oh là là, mais tout le monde me bloque. L'angle obtus. Ouais, obtus. Tu vois, par exemple, ça, tu vois, tu parles, mais moi, est-ce que ça, tu sais? Pas du tout, je n'ai jamais entendu parler. Bah, c'est simple. C'est un angle enfin qui mesure 80 degrés et 180. C'est. Il n'y a rien de compliqué. En gros, ça fait 120 quoi. 120 degrés. Voilà. Au moins, ça prend un truc, hein, si jamais. Et ça s'appelle un angle obtus. Non, c'est obtus. Comme. Ça, c'est du latin quoi. Obtus, ça vient de. Ça veut dire quoi obtus, Eden? C'est quelque chose d'obtus, c'est quoi? C'est quoi qui me dit? C'est quelque chose d'obtus. Ok. Ah, mais c'est quoi, obtus? Ah, c'est obtus quoi? Comment ça? Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, obtus? Ah, tu sais pas ce que ça veut dire, mais pourtant t'as le bac. Eden, ton classement doit être dégueulasse. Non, ça va, je suis bien. T'es combien? Je suis. 3ème. Non, tu mens. Donc, il est dernier, gros, N1. T'es dernier, ok. Si tu veux que je te dise, si tu veux, N1, parce que bon. Je pense que t'as mal compris. Alors, c'est. Oh, je sais pas comment te le dire. En gros, c'est un angle géométrique dont l'écart il est angulaire et compris strictement entre celui de l'angle et l'angle plat. Mais ces deux droites, comment qui forment un angle à 90 degrés, Dan? Deux droites parallèles? Mais non. Pourquoi? Bah parce que c'est pas ça. Bah si, pourquoi ce serait pas ça? Bah non, deux droites parallèles. C'est une question piège, c'est ça? Oui. Ah. Bah non, c'est pas une question piège, c'est... C'est, bah en gros... Bah moi je le sais, c'est... en gros, c'est le même trait de la même... En gros, c'est le même trait. Quoi? En gros, si tu veux, c'est le même trait qui est de l'autre côté horizontal et l'autre, il est vertical. Mais c'est le même trait, il fait la même mesure. Et non, Eden, en cours, t'as pris les droites parallèles et t'as pris les droites. Les autres. Ouais. Les autres. Bah, les droites. Quand tu frappes quelqu'un. Ah ouais, t'as vraiment arrêté l'école en deuxième. Non, j'ai pas compris en fait ce que tu dis. Eden, il a même pas commencé l'école en fait. Oh, vas-y, bah si, tu peux c'est l'école qui a quitté Eden, elle va dire les parts. Non,
mais c'est simple. c'est ça. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu me racontes de droite? Il y a les droites de droite et... Il y a les droites et les gauches, je sais pas. Tu... as compris, Elie, dans ta question. Bah, il y a les droites parallèles et les droites... Celles qui forment justement l'angle à 90 degrés. Qui forment un angle à 90 degrés, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, bah ça je sais. Et donc c'est les droites... T'as pas l'air de savoir, quand même. Hein. Les droites... Mais tu sais quoi, ce bordel? Attends... Mais attends, il y a des gens qui sont arrêtés sur en plein milieu du tunnel. Ouais. Ah oui, bah c'est pour ça que je suis 15ème, la salle. Hein. C'est les droites... ils sont là? Alors, un qui me fait tomber sur la méga rampe, donc je suis tombé, je suis mort. Un qui me fait tomber dans le boost, c'est là où tu remontes, la méga rampe, là. Et du coup, au final, je suis 15ème. Et je sais pas, non, je suis tombé là, de la moto, quoi. Ok. Par exemple, si t'as besoin, Lini, moi je peux t'aider. Niveau. Si je connais pas un truc, je peux t'aider. Quoi. Du coup. Est-ce que tu vas un indice? Un cercle, ça forme combien de degrés? Du coup, c'est 360. Et donc 90, c'est 360 divisé par combien? En sachant que c'est 90. Donc, du coup, t'enlèves 2, donc c'est un demi-cercle. Wow, ça veut rien dire. Si, ça voudrait rien dire. Alors même les sixièmes, je pense qu'ils regardent cette vidéo, ils doivent se dire... Mais non, mais attends, wow. 160. Divisé par combien? 360 divisé par combien égale 90. Bah tu le divises par 2. Là, c'est beau, tu vois, par exemple. Parce que 360 divisé par 2, ça fait 90 pour Eden. Tu vois, et ça, c'est beau. Ah, tu veux que je calcule un chiffre qui lui t'emmène à 182, c'est ça? 90. Ah. Tu divises 360 par combien pour arriver à 90? Il a tu quand même... dis qu'un cercle c'est 360 degrés. Il a quand même dit par 2, c'est beau. Ça devient chaud, les gars, là. Hein. Les calculs là, 360. J'ai pas 360 doigts, gros. Ouais, mais 360. Ça... T'es sûr qu'un. C'est. 400... c'est... 360, je vais quand même répondre avant. On va laisser Eden réfléchir. Je vais quand même répondre à une question qui était dans les commentaires parce que c'était quand même une question intéressante et c'est vrai qu'elle mérite d'avoir une réponse. Il y a quand même quelqu'un dans les commentaires qui disait: j'espère qu'Eden fait exprès parce que sinon. Sinon. Alors qu'est-ce qu'il avait dit? Sinon quoi? En gros, il espérait que tu faisais exprès sinon. Enfin, sinon c'était incroyable quoi. Mais lui, il était persuadé à 100% que tu fais exprès. Je fais exprès. Voilà, donc lui, c'est vraiment 100% pour lui, c'est tu fais exprès. Alors, je vais quand même lui répondre. Alors que non, Eden ne fait pas exprès. Je vais quand même lui répondre parce que... Oui, je fais exprès, les gars. Parce que c'est vrai... parce que c'est vrai que c'est... Tu as raison. ce serait intéressant de choquer quelques personnes qui pensent comme lui. Oh non, j'ai pas eu le temps. Ok. Donc, on va quand même dire la vérité. Enfin, la vérité, nous, on l'a dit toujours, mais on va quand même préciser ça. Donc, Eden, on le répète pour... On a dû le répéter au moins 50 fois, mais on le redit, il ne fait pas exprès. C'est lui. Ce n'est pas un rôle. C'est lui. Il est comme ça, moi, je suis comme ça, Unwin est comme ça, nous sommes comme ça. Ouais, en fait, c'est comme... Enfin, moi, c'est comme ça. Mais... En fait... Eden, il est mal, mais il croit que c'est... En fait, vous croyez, voilà, vous croyez, on dit. Ils croient que c'est... qu'il fait exprès, alors que non. Il est vraiment comme ça, quoi. Alors, moi, je vais vous poser une question. Et il y a aussi des gens, Eden, qui disent... Enfin, il y a encore des gens qui pensent... J'ai vu ça dans les commentaires, hein, sérieusement, qui pensent que t'as ton bac. Moi? Oui. Bah, s'ils veulent bien me le donner, je veux bien. Hein. Je refuse. Alors, pas son... On rappelle quand même que Eden n'a pas le brevet des collèges. Hein. On le rappelle quand même. Ils disent, mais comment Eden peut être aussi nul alors qu'il a le bac? Tout le monde peut l'avoir, mais il faut leur préciser quand même, parce que là... Bah, j'ai le bac, mais... Est-ce que t'as le bac, Eden? La vérité, est-ce que t'as le bac? La vérité, est-ce que j'ai le bac? Non, avant d'avoir le bac, est-ce que t'as le brevet des collèges? Est-ce que non, t'as le bac ou est-ce que t'as le pack? J'avais des vidéos. Bah, j'ai un pack de coca. Sinon, je sais pas. Non, franchement, non. C'est vrai que j'aimerais bien avoir le bac. Mais je pense que le level est pas assez bon. Et est-ce que vous savez... Il pourrait avoir le bac S. Oula. Alors, il faudrait au moins une ou deux bonnes vies d'apprentissage. Alors, attendez.
Ah mais non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Parce qu'en fait, est-ce que vous savez ce que c'est ambigu? Attends. Oui, ça se lit ambigu. ambigu. Hein? Ambigu. Non, mais c'était bien ambigu. On sait que t'as hésité parce que tu t'es dit ça doit pas se dire comme ça. C'est écrit AM, du coup, je sais pas. Tu sais, c'est quand qu'il faudrait que je t'enregistre. En fait, il faudrait que je t'enregistre quand on n'est pas en vidéo et que parfois tu me dis des mots et que c'est pas comme ça que ça se dit. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu sais, parce que c'est hors vidéo, donc là tu peux pas dire ouais, il y a un truc, il y a rien. Et c'est ça qu'il faudrait.